Spider-Man, les détenus du raft ont refait surface. Et ils assiègent nos commissariats. Mes hommes ont besoin de votre aide. Tout de suite. Rejoignez un point d'observation dans le centre, et je vous expliquerai. Je suis en route. C'est Octavius ? Non, deux de ces larbins. On est toujours à sa recherche. Pour être honnête, je suis pas rassurée. Le docteur doit être le super vilain le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Tenez bon, capitaine. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20 de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire, un petit truc à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Je suis désolé, pas eu de vidéo d'épisode, donc de suite, pendant 3 jours à peu près. Mais ceux qui me suivent en live tous les soirs à partir de 19h au cas où sur Twitch le savent, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont apparues pour mes lives et je prépare beaucoup de choses pour mes lives aussi, comme la PGW qui arrive dans une semaine. Je vous conseille donc d'être attentif et de me suivre sur mon Twitch parce que croyez-moi, il va y avoir des choses incroyable à gagner pour le chat en direct et tutti quanti. Donc désolé hein, si pendant 3-4 jours vous n'avez pas d'épisode, j'ai mes raisons. Et c'est souvent pour vous d'ailleurs, c'est souvent pour des petits cadeaux, des petits trucs très sympas. Quoi qu'il arrive, c'est pour Salut, vous mon pote. Régaler. Cette station teste les particules en suspension dans l'air. Il y a sûrement une manière super scientifique pour dire ça, mais en gros, c'est pas bon s'il y en a trop. Les relevés sont inquiétants mais contradictoires. La seule façon de comprendre ce qui se passe, c'est de tester les émissions dans la zone. Mais j'ai d'autres problèmes. L'échantillonneur détecte des particules toxiques. Il faut que je vérifie. Très bien. Très très bien. La conduite de vapeur est un bon point de départ. Ok, on va donc vérifier tout cela. Juste après, on reprend notre aventure principale. Pas de panique, évidemment. Vu là où on s'était laissé, je suis comme quelque vous, chose j'ai envie de connaître la suite aussi. Je dois l'analyser. Bon, ça on l'avait déjà fait, il faut que j'arrive à trouver le même schéma, je dirais celui-ci, normalement, non, je sais pas, ok, c'est bien celui-ci, plus celui-ci, voilà, là on est dans l'addition les gars, c'est très compliqué évidemment, je dirais celui-ci, plus celui-ci, et voilà les gars, bon, c'était rien de difficile, n'importe quel gamin pourrait y arriver, aucun souci, aucun mérite. Mélanger à autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ok, on est parti, on va scanner tout cela. Limité à un bâtiment. Beaucoup de gens sont en danger. Ouais, j'ai bien saisi. Ok, on va analyser ça aussi. Il va mener sûrement un autre bâtiment. C'est parti. Oh, si c'est que des jeux comme ça, honnêtement, je crois que c'était un des derniers centres de recherche. Pas trop dur, je pense. Certains fragments contiennent des traits soustracteurs. Très bien. Donc, pour annuler les autres traits. Incroyable. Ça va très, très vite. Donc, par exemple, si on fait cela et qu'on fait cela. Voilà. Et si on fait ça. Oh, c'est difficile, dis donc. Tout va beaucoup trop vite. Attendez. Voilà. Et comme ça. Bon, là, c'est un petit peu ridicule, ce genre de mini-jeu. C'est vraiment faire un mini-jeu pour faire un mini-jeu. Mais au moins... on gagne des jetons, on va pouvoir acheter de nouveaux costumes. Très bien, allez. Je suis sur la bonne voie. Ah, il y en a encore. Juste suivre la piste. Oh putain, à mon avis, il y en a encore deux ou trois autres. C'est tout le quartier qui est menacé. Ah, d'accord, faut suivre quoi là? Le gros tuyau là? Ok, je comprends. Je comprends. Aucun souci. Alors, par contre, il s'arrête. D'accord. Hop. On va analyser ça aussi. C'est parti. Allez, va y avoir quoi là? Des multiplicateurs peut-être? Ouh, ça sent pas la rose. Ok. Voyons ce qu'il y a dedans. Ça sent pas la rose, on adore ces petites vannes là. Je pense qu'il faut mettre ceci. Et ceci. Voilà, on essaye, on fait petit à petit. J'ai ma petite idée. C'est ça à mon avis. Et ça... Attendez, bougez pas. Ok. Très bien. Très bien. On va faire les choses en ordre. Bougez pas.
Ça, je pense qu'on peut l'annuler, voilà, sans problème. Ce qui m'inquiète, c'est celui-ci. Il a pas l'air foufou, mais il a l'air bien chiant. Si on fait cela et cela, normalement, ça annulera, donc aucun souci. Non, aucun problème, ok, d'accord. Je pensais que j'allais galérer un petit peu plus. Je me suis dit pourquoi pas, mais pas du tout. On est toujours les boss jusqu'ici. Pourquoi ça me semble aussi familier? Mais qu'est-ce que ça peut être de l'éthanol? L'éthanol, pourquoi ça me dit quelque chose? Peut-être du mercure, de l'azote et de l'éthanol. Il faut que je retrouve la piste. Quand ce sera fini, j'alerterai le service de santé publique pour qu'ils préviennent les résidents. Ok, donc c'est tout en haut. Peut-être le pet d'une vache. Il faut savoir que le pet de vache, et ça pollue énormément. Donc je me suis dit, peut-être que si toutes les vaches se sont mis d'accord pour lâcher des caisses, j'ai trouvé le problème. Bien évidemment, en bas d'un building, s'écoule de ces bidons et pollue les canalisations. Il faut que je nettoie le site rapidement. C'est clair. On y était presque. Le béton contient du calcium et du silicone. Idéal pour tout absorber. Bon, il va falloir que je fasse des dégâts pour réparer ces dégâts. Ouais. D'accord. Un de moi. Mickey. Encore un ou deux bidons. Le dernier. Rien. Impeccable. Ça y est. Sceller la grille avec ma toile, ça devrait éviter toute fuite supplémentaire. C'est tout? Ça va, c'était peut-être l'un des centres de recherche les plus simples. Ok. Aucun souci. Ça aurait pu être bien pire. La station de recherche d'Harry vient de prouver qu'elle devait rester ouverte. On vient donc de résoudre un problème capital à l'aide d'une toile et des sacs de plâtre. On est d'accord? On est tous d'accord là-dessus. On vient de sauver New York comme ça, les gars. Ok, allez, on est parti. C'est bon, direction notre quête principale. On va voir un petit peu ce que cela donne. Quoi qu'il arrive, oubliez pas où on s'est arrêté. C'était un bordel monstre. Tous les méchants s'étaient échappés de la prison de haute sécurité. Et là, forcément, on va devoir leur botter le cul un par un. Ou peut-être ensemble, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vraiment hâte parce qu'on s'est laissé sur un... sur une scène incroyable qui m'a vraiment donné les frissons. Sachez que je l'ai revu même pour le montage de la vidéo, parce que chaque vidéo je regarde les montages. Capitaine, je suis en place. J'ai vibré. J'ai vibré Reno pareil. Est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West, Electro celui d'Upper East. Empêchez-les de prendre le dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même galère partout. À toutes les unités, 10-43, agents pris sous les balles. On a besoin de renforts à Times Square. Terminé. Peter, tu as un moment? On a besoin de toi à l'annexe Fist, dans le nord. Le refuge des vétérans à Harlem? Qu'est-ce qu'il y a? Les évadés de Riker exigent des vivres et du matériel. Les employés se sont barricadés, mais ils ont besoin d'aide. Je me rends sur place avec Miles pour faire évacuer le personnel. Surtout, ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à Harlem. Merde, épuisé. Pourvu qu'ils soient pas malades. Faut que j'aide Yuri et direction Harlem. Fais attention, tente, mais te dépasse pas. Ok, tous les lasers du monde sont sur mes côtes. Yuri, j'arrive au commissariat d'Upper East. Super, Electro et les démons empêchent mes hommes de sortir. C'est une situation compliquée. Vous vous comprendrez une fois sur place. Yuri Watanabe, la reine du suspense. Ouais, je la sens pas. Clairement, je la sens pas, on a gagné quelques points, mais pas assez pour évoluer là où je le veux dans l'arbre de compétences. Voilà pourquoi... Oh. Ok, j'ai esquivé. C'était chaud. Ah! Grosse galère. Transformateur électrique de bâtiment et piège des policiers à l'intérieur. Yuri, c'est pas compliqué, c'est pire. Je vais devoir désactiver les transformateurs pour libérer vos hommes. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide contre les démons. Je suis là pour ça. Problème d'électricité, de démons, sans rendez-vous. Ok. Waouh! Ok, d'accord, donc le sniper... Oh bah, il dégage. Lui, il a rien à foutre de savoir s'il va mourir ou pas. Ok, ça c'est fait. Tout le truc aérien, là. Ça, c'est des plans de fer. Ok, j'esquive. Je sais pas ce que j'esquive, mais je l'esquive. Nickel.
Ok, mais pour toute esquive, c'est incroyable! Comment ils ont fait pour accrocher ce truc? Waouh! Ok! Oh. Ah, j'ai tellement pas vu arriver, je suis désolé. J'étais tellement concentré sur la visée que j'en ai oublié le principal, c'est-à-dire le centre de l'écran. Je me suis fait éclater. Ça devient clairement. Là, on a franchi une nouvelle étape. On a franchi une nouvelle étape d'araignée, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, ça devient incroyable! Yori, c'est pas compliqué, c'est pire. Désactiver les transformateurs pour libérer okay, vos hommes. Ok, donc. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide. Tout le monde s'en bat les couilles de. Je viens de sacrifier. Problème d'électricité, de démon, ça en est okay. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, ça dégage. Bon. Encore 4 et c'est plié. Ok, faut que j'attende que ça se recharge. Très très bien. On va repasser là-haut, c'est pas mal. Mais c'est un truc de ouf! Oh, je me fais starshoot! Calmez-vous! Comment ils ont fait pour accrocher ce truc? Incroyable. Ça va pas être évident de voler avec. Incroyable, je prends ma part. C'est un entraînement spécial pour faire ce sport bizarre. Oh là là, tant d'interrogations. Ok. Et de deux, encore. Allez trois. C'était bien chiant. Electro et ses délires perchés de super vilain. Ça m'avait manqué. Putain, c'était terrible. GG la police avec un réseau de. La vache! Mais d'où ça sort ça? Ok, allez s'il te plaît. Super, plus que. Ok. Waouh! J'ai pris ma. Arrêtez! Je prends ma part de tous les côtés! Oh! Ça y est, tu sentais que j'étais énervé là dans le move. Tu sentais clairement, il y en avait ras la casquette au bout d'un moment. Il y en avait. C'est un mensonge, monsieur. C'est un mensonge, je suis énervé. Hop. Allez, ça dégage. Hein. Un aller simple pour l'enfer. Ok. Il en reste combien? Il en reste deux. Encore, j'ai l'impression, non? Hop. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. Une vis directe, hein. Bas les couilles, hein. Il n'en reste qu'un. Ok. En vrai, je suis même pas obligé de... Je suis même pas obligé de les faire, mais j'aime le beau jeu. Waouh, calmez-vous, messieurs. Vous êtes prêts? On y va. On y va. Aucun souci. Hop, regardez-moi ça, les gars. Oh, c'est tellement... C'est chorégraphique, c'est tout ce qu'on aime. Oh là 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 là. Tiens, lèche mes couilles. Lèche mes putains de couilles. Merde. Ok, plus qu'un. Ah, calmez-vous. Respirez, les gars. Ok. C'est un battage de couilles en règle. Allez! Ok. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est un finish dans les règles. Oh, dans les règles de l'art! Oh là là, ce que t'as mis à ton propre pote! Ok. Voilà. Et on va finir le gars. Allez, s'il te plaît. Ok, on s'en fout. On va le laisser. Il a de la chance. Les policiers sont libres et les démons lâchent rien. Je dois les assister. Putain, c'est des forceurs de ouf. Allez, on y va. Mais non, il gâche. Lui, il fallait qu'il claque tous mes espoirs. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est beau, ça. Le move du joueur français. Ok, ils ont une matraque, faut faire attention à eux, ils sont très très chiants. Je prends ma part. Oh la vache que j'ai pris. C'est assez terrible. Ok. Voilà. Ok, pas mal. C'est putain de merde. Ok. C'est terrible. J'essaye de faire plein de choses. Mais c'est compliqué parce qu'on est toujours interrompu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Oh bah ok. Allez. Oh c'est beau. Oh là là, j'ai mis une doublette. Incroyable, incroyable tout ce qu'on fait. C'est beau hein. C'est beau mais on peut pas commenter en même temps. C'est pas possible en fait. Statistiquement là les gars, ça demande des réflexes au-delà du super-héros frérot, tu vois. Je peux pas parler, faire tout ça les gars.
Rendez-vous dans l'Upper West Side. On veut abriter les civils, mais Rhino nous met des bâtons dans les roues. Ok. Comme d'habitude, j'arrive. Cette fois-ci, c'est Rhino le problème. Très bien. Ça devient compliqué, cette petite histoire. Hop, j'ai failli prendre un coup gratuit. Salut. Même a demandé de t'appeler. C'est la grosse cata au refuge des vétérans. Les prisonniers essaient de défoncer les portes. Mary Jane est là. On fait sortir les gens par le sous-sol, mais on a besoin de renforts. J'espère que tu peux venir rapidement. Sauver les commissariats et filer à Harlem. Oh là 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 là. Tout feu, tout flamme, le New York, les gars. Tout feu, tout flamme. Hop. Attention, les oiseaux, j'arrive. On a besoin d'agents sur place. J'arrive. Paniquez pas, paniquez pas. Que personne ne panique par ici. J'esquive même des trucs, je sais pas, frère. On dirait que j'esquive des crottes de pigeons, cousin. C'est n'importe quoi. Il y a pas de sniper, il y a rien, mais on me demande d'esquiver des trucs. C'est pour vous dire la pression que j'ai. C'est une oppression, messieurs, une oppression. Ah, calme-toi, Luc, il est calme. Ok, ça tire à balles réelles. Rhino s'est sauvé. Les anciens pensionnaires de Riker s'attaquent aux barricades de la police. Je vais rééquilibrer les forces. Bien. Allez-y, si ces barricades tombent. Ah, d'accord. Alors, s'il y a d'autres trucs gratuits comme ça. Hop, ça, ça dégage. Je vais essayer de one-shot lui aussi. Voilà. BAM! Ok, ensuite. Ma super toile! Voilà, on se débarrasse de quasi tout le monde. Ça, c'est clairement un des meilleurs coups, hein, vraiment. Je suis totalement fan. Et en plus, grâce à cela, regardez bien, je vais pouvoir one-shotter deux personnes aussi. Non, c'est ouf, là je commence à devenir vraiment une machine. J'ai jamais vu Rhino s'éclipser pendant un affrontement. Ok. On doit bosser sous les ordres du Docteur Octavius. Faire des attaques éclairs dans toute la ville sur les brigades d'intervention. Ah, yo, attends. Hop, toi, on te one-shot. Et l'autre, où est là? Oh bah désolé, c'était pas toi que je voulais. Ok. Oh là là, ce one shot, ici ça fait de la zipmu. Juste pour déconner. Maître Gims. Mais regardez ce que je prends. Voilà. Ok. Et on va le monter en l'air littéralement. Ok. Une petite toile. Un one shot. Compliqué. Compliqué. Okay. C'est bon, ça c'est fait. Direction l'autre côté. Ils sont nombreux, hein. Regardez bien, regardez bien. Hop, ça marche pas. Hein. Y'a rien qui marche. Aïe. Mais regardez. Aïe. Oh là. Arrêtez. Je vis une oppression. Bam. Oh, c'est pas du one shot, j'y cru. J'y croyais dur comme fer. Non. Non. Qu'est-ce que je fais? D'où Jésus. Je suis perdu et manipulé. Hop, lui on va le monter en l'air parce qu'il a un bouclier, il est très très chiant. Hop, lui on va s'en occuper. Bon, on va le one shot tout simplement. Pouvoir de tenue prêt. Ah, un petit peu tard. Mais bon, on prend. Spider-Man, là-haut. Les prisonniers tirent dans le tête. Bon, ça là-haut. Ils vont démolir le bâtiment. Pas tant que je serai là. Je m'en occupe. Ok. Frérot. Hop, tu m'as pas vu, ça dégage. Frérot. Tu dégages. Et toi, tu dégages aussi. Et puis tu tiens. À toi de libérer. Hop. Voilà, ça c'est fait. Regardez bien. Yatta. Et ouais, mon pote. Quelqu'un veut me tester peut-être. Ok, regardez, regardez. Hop, on va esquiver ça. C'est pas mal. Arrête. Cible prioritaire. Inesquivable. Moyen plus simple, je demandais. Ok, d'accord, c'était prévu, j'ai eu peur. Des jetpacks? Quelqu'un a eu l'idée brillante de leur filer des jetpacks. Les gars, on est dans la même équipe. Au moins, attendez qu'on ait vaincu les fugitifs avant de m'attaquer. Ok. Ils sont tellement chauds à voir. On pas que c'était grosse repompe de 1984. Oh là là, on peut leur faire le coup spécial aussi. Ok. Ok. C'est compliqué, les gars. Wouh! Ok. Ok. Mais non! Mais c'est pas...
j'ai pris ma part. Je vais mourir en fait, je vais mourir. Je mérite pas, mais c'est tellement chaud. Ok, on va repartir là-haut. Hop. Oh, combat aérien par contre. Alors, pour être très honnête avec vous, je trouve ça méga stylé, vraiment. Je trouve ça méga stylé. C'est grave bien fait en plus. Allez. Hop, toi. Boum, tu vas sucer mes couilles. Il reste qui là? Quelqu'un va me tester? Je vais mourir, hein, en fait, avec ces conneries, notamment. Ok. Il n'en reste plus qu'un, aucun souci. Ça devient compliqué, les gars. Il me reste une zone à faire. Oh non. Ok, j'essaye de faire un max de combos pour récupérer de la vie. Allez. Ok, ils sont méchants. Ok, il y a deux secondes, ils étaient sympas et là, ils sont méchants. Très bien. Ok, on va essayer de le one shot. Ok, il est tombé? Il est mort? Bah non, il a un jetpack. Hop, lui, c'est du one shot. Oh, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé en aérien comme ça. Très bien, il reste qui? Oh, je l'ai éclaté! C'était chaud. Yuri, le commissariat est sécurisé. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de Sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux. C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche, et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à l'annexe piste, pour aider May. Allez, on est parti. Ah, voilà. Peter, on a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où? J'ai été retardé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur. J'essaye de les rejoindre, mais les flammes se propagent super vite. Reste où tu es, MJ. Je m'en occupe. Sans... Dépêche, Peter, dépêche. Mais regardez, je suis la cible. Je sais même pas de quoi je suis ciblé. Des roquettes, c'est quoi, les gars? Des missiles sol-solaire, sol ou quoi? Laissez-moi tranquille. Ok, on a eu chaud, hein. J'ai cru qu'on allait mourir, je vous le dis très honnêtement. Attends, pourquoi je récupère toute ma vie? Incroyable, c'est ce qui s'est passé. Ok, on y est. Ah, t'enflamme pas. Peter, les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une issue de secours pour accéder. MJ, reste où tu es. J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça. Peter, fais pas l'idiot, attends les secours. Mais... Mais... Par ici! On est par ici! Je vous tiens. Tenez bon! Mais, vous allez bien? Approchez-vous de la fenêtre! C'est trop loin! Tenez bon! Ok, accrochez-vous! Allez, espèce de sale! Allez, mais je vous tiens! Oh mon Dieu! Allez-y! Allez! Miles, allez! C'était
tellement stylé, bordel de merde! C'était incroyable! Mais elle va bien? Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... Mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois et demie où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolé pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires? Toujours. Eh, hey, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une de chaque. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok, ok. Hé, attendez, comment je vous appelle? Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro? Quoi? T'es sa copine? Ah, c'est tellement cool, eh. Ah. Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Et mission complete! Il est temps de s'arrêter là! C'était incroyable! Là, chaque épisode, il y a une cinématique qui me fait vibrer. Et ça, c'est le bonheur, les amis! Ça, c'est le bonheur! N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure! À bientôt, tout le monde! Portez-vous bien! Je peux me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yuri, il faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. C'est peut-être une solution. Je fais signe si je trouve quelque chose.